Elle est belle, elle est gentille, c'est le chien le plus gentil du monde. Elle est juste un peu bête, mais bon. Ok, ok, je le dirai plus jamais, my bad. Attends, j'ai une idée. Alors, venez, on joue à 1, 2, 3, soleil. 1, 2, 3, soleil. Ok, la perte. Il y avait juste à la pousser, quoi. Non, par contre, tu te calmes. Oh, elle est directe. Allez, hop là. Vous ne me connaissez pas. Et là, je rentre dans le CDI. Qu'est-ce qui se passe? Attraction terrestre. Je commence à orbiter autour d'elle, tu vois. Là, je suis là. Putain, je peux pas m'arrêter. J'ai un bouquin dans les mains et tout. Et depuis... bah c'est pareil, tu vois, j'ai peur. Je vais plus dans les CDI. Non mais putain, sans déconner. Non, me dis pas que ça tient cette merde. Non mais sa merde, elle tient. Mais à quel moment, avec tout le vent? C'est dégoûtant. Ah, c'est incroyable, mesdames et messieurs. Mais c'est incroyable. T'as la gueule. Ah, j'ai quand même perdu, mais c'est le... Oh, j'avais même pas vu. La lumière doit être trouvée d'une autre façon, pas ainsi. Ah ah ah, je savais que ça finirait comme ça, c'est le moment que j'attendais. Qu'est-ce qu'il a lu? Chaos, mais comment se fait-il que tu sois ici? Chaos, non, le manuscrit! Tu m'as tellement manqué, mon petit manuscrit, nous voilà réunis. Ah ah ah, avec ce manuscrit, ma puissance magie, je vous écrabouillais, Sky perdant. Oh la gueule, eh, c'est Roderick qui a écrit les dialogues ou quoi là, sans déconner? Ah, c'est stylé les gars! Ça! Ça, ouais, j'ai dit Eleanor, mais Elenoa, c'est... Voilà, je confonds entre le pigeon et le machin. Oh les gars! Vous voyez qui méritait? Oh, bah merde, alors. Oh, bah, vous voyez, faut pas être médis... Oh, attendez, c'est pas fini. C'est pas fini. Non, oh! Oh, la salope! Oh, il est pété, lui aussi, quoi! Oh, merde! Merde, merde! Il est où, chez où? Bah, dans ma poche, gros, attends. Il est là. Attends, je le sors. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il y a, chez où? Pourquoi tu veux pas sortir? Mais... Mais comment ça, tu boudes? Mais ah... Ah bon? Sabrina Orion et cum. Il a vraiment écrit cum, ça me fait trop rigoler parce que c'est sperme en anglais et que j'ai 3 ans d'âge mental. C'est nickel! Ça ressemble à Psamat. C'est nickel! Non, c'est pas nickel, mais... Mais on... Non, mais on l'a pas vu, on l'a pas vu. L'autre qui traîne, c'était une blague. C'est... Il avait pas monté. Yes! Mais c'est classe, tu vois! Je le savais! Juste, j'étais un peu déçu, mais je me dis... Nice! Oh bah c'est tranquille! Bon! Ah bah voilà! C'est tout ce qu'il voulait, c'était Psamat en plus. Bon, il voulait des mobs hauts aussi, on les a pas trop humés. Tu vois, le Ariel, c'était juste pour dire... Il a des... Allez, c'était pour le fake. Mais il y aura le paye ton sub, donc du coup, à 20h, je vous le redis, pour ceux que ça intéresse... tous les mercredis, une semaine sur deux, je fais une émission qui s'appelle Paye son tub. Paye son tub. Oh le con. Assaisonne-moi ma gueule, assaisonne-moi, franchement ça me fait plaisir. Ah fuck la vie, quoi, sans déconner. Bah ouais, mais aussi gros, t'invoques le karma. Mais comment ça, gros? Bah t'arrives, tu dis ouais, je t'ai assaisonné ici, gros, et puis d'un coup, forcément, tu te prends le karma dans la gueule. Et après tu te plains en plus gros, ça va. Non mais non, mais non, c'est... Le karma c'est pas quand... C'est... Je comprends pas moi cette sorte de karma. Le karma c'est pas comme ça. Le mec a vraiment rien compris quoi. Non putain. C'était fou, putain! Oh mec, c'était à une seconde! Oh man! Mais alors, ceux qui ont des 5 nattes, c'est des mecs qui s'en donnent les moyens. Ceux qui n'ont pas de 5 nattes d'Arcane Knight, c'est des mecs qui le font exprès. Je veux dire, j'ai réussi à le faire 2 fois. Faut bien le faire une fois. Je veux dire, si t'en veux pas! Ils ont un problème avec l'anglais, en fait. Puisque c'est bien simple, ils puent la merde. Parce que, enfin, ceux qui ont un accent. Et genre, mais vraiment, c'est terrible. Vraiment, ça me fait mourir de rire. Et lui, il dit... Le Knight Light.
le Knight. J'avais, franchement, j'avais envie de, tu vois, j'avais envie de lui retirer ses petites lunettes. Tu vas parler correctement, enculé ! Ça m'a dégoûté, putain. Il était là. Alors, le Knight, il est bon. Le machin, j'étais en mode, arrête ! Arrête ! Oh, merde. Oh ! Oh ! Non. Oh ! Oh ! Oui ! Oh, le monstre ! Le monstre ! 4-0-4-4, les gars, sur le fil ! Oh, elle était incroyable à mettre, celle-là ! Allez, oh, stop, bon. C'est maintenant où j'ajoute. 7 pièces et je pépon la terre. Oh ! Oh oui ! Il est là ! Il est là, les gars ! Il est là ! Le kaboum ! Ça, c'est bon, ça, les gars ! Oh ! Incroyable ! Oh, je vais me pépon le dard ! Oh là là ! La terre entière ! Oh, mais du coup, j'ai eu 10 pièces ! Oh putain! Oh la giga chatte! Yes! Poussé l'ennemi. L'ennemi m'a poussé ma bagnole et ça s'est terminé comme ça, tu vois. Mais tout était calculé, bien sûr. Oh, regardez ce que je viens de faire là. Petit pinch. Assez propre. On va repousser là. Je pense que. Ouais. Oh là là, mais les gars! Les gars, c'est de la domination! Hein, je fais du 3v1, là j'ai marqué mes 4 buts gros. Solo. Et là, voilà, première erreur qu'on ne veut plus faire. Oh, c'est incroyable. Oh, c'est incroyable. Oh, j'ai jamais vu ça. Et c'est la première fois que je mets un... Non. Oh, ce but est magnifique. Il est magnifique. Oh, c'est fou. Jamais j'avais mis un si beau but. Il était incroyable. Y'a pas de chat sur Rocket League. Y'a pas de chat. Comme ça, on est sûr. Ouais, la cage, je pense. Non, y'a pas de je pense et tout. Et puis après, je fais le choix. Et... Ah non, en fait, je voulais jamais. Comme la dernière fois. Vas-y, ok, nickel. Voilà. Nickel. Et ben, GG. Tu es maintenant heureux possesseur d'un like. Donc, c'est très bien. Et j'en ai deux. J'ai deux Jamir et deux Laka. Mais je crois qu'il y a un des Laka qui a disparu dans un Léo, je crois. Genre, un matin, on s'est réveillé. On s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que... Pourquoi mon compte a disparu? Et ouais, j'ai cherché partout, je comprenais pas. Et j'ai vu que Léo avait pris un skill up. Oh! C'est incroyable. Mec, t'as le cul bordé de nouilles. T'as le cul bordé de nouilles, mec. T'as tellement fait le bon choix. Ah, Perna. Non, Athénée. Eh ben tiens. Ah, attendez. Franchement, j'ai bien baissé le son. Bon, je t'entends plus bien, mais j'entends plus la pluie. Ah bah désolé. Oh mais attendez, mais c'est un sac thème, j'ai même pas vu. Mais non, mais c'est incroyable. J'étais en train de lire le truc. Ah. Je peux lui faire gagner quelques HP là. Non, c'est une blague. 230 à 450, vous foutez de ma gueule. Comme tout us, sans déconner. Autre chose, petite anecdote, j'ai appris que à Bordeaux, non seulement les gens disaient chocolatine parce que ils ont un petit problème, on sait pas trop pourquoi, mais en plus, Moumou dit, pour dire un sac en plastique, elle dit une poche. Donc la dernière fois, elle nous sort, ouais, j'étais parti au boulot, j'ai oublié ma poche de bouffe. Et tout le monde était en mode, mais attends, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Enfin, je veux dire, elle avait un Bermuda, j'ai pas compris. Et non, en fait, c'est son sac en plastique, quoi. Une poche, voilà. Donc voilà, quoi. Type poche. Les Parigots disent poche aussi. J'ai jamais entendu à Paris un mec dire poche. Et je suis pas parisien, mais jamais. Enfin, à part pour dire, ouais, t'as un truc dans tes poches, tu vois, ou un truc comme ça. Mais voilà. La team poche sera donc virée de la team pouce. Peut-être, je ne sais pas. Il y a la team rond pour les dons, la team paron et la team poche. D'ailleurs, petite anecdote. Je ne sais pas à quel point Laurence d'Arc-en-Ciel suit les streams, mais elle avait envoyé un message. J'ai relu ça dans mes emails où j'avais jamais fait gaffe. Et elle m'avait envoyé un message en mode « Les rêves 5 étoiles des enfants ». Et là, je me suis dit « Mais attends, on parle quand même de 5 étoiles natifs, là. Je veux dire, Laurence, elle a chopé un petit Zeratou, je ne sais pas. » Mais j'étais pas bien du tout. Hein. Ça m'a vraiment beaucoup surpris. Et deuxième chose,
Laurence a fait l'effort cette année de ne pas m'appeler Junpei. Elle a bien fini par Junpei et voilà, ça m'a fait un petit quelque chose. Voilà. On confirme pour les deux, les gars. Hein? On confirme? Ok. De toute façon, c'est Warrox qui décide. C'est parti. Gigabolzy. Gigabolzy, Warrox. Hein. J'aurais pas du tout fait ça. Pas du tout. Bon, alors là, t'as un peu de chance à la fois et à la fois pas trop de chance. C'est qu'il n'y a pas d'immune sur l'autre, mais je suis un peu lent hein, sur les jumelles, normal. Ouf, ouf, ça va. On n'a pas pris la gigadouille et tu m'as dit on focus elle. Ok. Ok. Elle a pas tant de vie en vrai. Peut-être qu'elle tue, hein. Je pense qu'elle tombe. Voilà. Ok. Un œil noir. Ouf, attention. Ah, il pue sa mère, hein, son Théo. Mais s'il proc. Non, ça, il proc pas. Ok. Ah, la pute que c'est elle. Oh, elle tombe. Ok. Ouh. Ah, merde. Ok. Ok, les gars. Ok, allez. Ça, c'est win. Je sais pas comment il a win, mais il a win. Easy. Nickel. Et alors là, du coup, Bernard. Alors, c'est pas spituné, je rappelle. Hein. Il en a rien eu à foutre. Mais non. Attends, est-ce que je crit? Oh, il crit. Eh, hey, les gars, c'était tellement facile. Mais tellement facile. Moi, je voulais juste. Vous remercier, c'était un week-end incroyable, magique qu'on a pu vivre durant ces deux jours. Une générosité, je n'en reviens pas. Effectivement, quand j'avais eu Junpei, il m'avait dit ce sera un moins bien que l'année dernière, mais je trouve extraordinaire ce que vous avez pu faire durant tout ce stream. Un grand merci à tous les streamers, à tous les viewers, à tous les donateurs, toute la communauté, comme to us. Rodrigue, merci beaucoup. Et puis, désolé pour la barbe. Il n'y a pas de souci. Bon, suis... voilà, c'est pour une bonne cause, on va dire. Cornelis, Mav aussi, merci pour cette générosité. Vous avez tous été extraordinaire, grâce à vous on va pouvoir faire des rêves 5 étoiles. On va se battre et au final tout s'est passé franchement sans accro, hein. Le bot, il n'y a pas eu de bug, à part mes bugs de connexion, mais bon ça pour le coup là j'y veux vraiment vraiment rien, mais je veux dire l'event s'est hyper bien déroulé, c'est vraiment la meilleure commu ever, merci Ido encore une fois pour ton don de 20€. On avait discuté, je me souviens, on avait eu un appel au début quand on avait parlé d'Arc-en-Ciel pour cette année la première fois, on avait dit que on essaierait d'avoir un petit don également de la part de Come to Us. Mm-hmm. Ouais. Alors on s'était mis d'accord, si je me souviens bien, sur un montant de 2500€ comme l'année dernière. Ouais, ce qui est extraordinaire. Je ne savais pas si je devais faire le surprix ou pas, mais voilà. Oui, voilà. Mais, alors, en fait, je ne sais pas trop à quel point ça a pu être jouable. Je crois que les 2500€, ça n'a pas été possible, malheureusement. Ok. Mais bon, du coup, il y a la donation. Voilà. Donc, on devra se contenter de... Attends, parce que là, je vois un don de Tommy de 62,77, bon. Toujours derrière Jeff. Ok, merci beaucoup, Tommy. Et écoute, je sais pas, j'attends. Est-ce qu'il y a une alerte qui va pop, c'est ça? D'accord. 3000€ de Come to Us. Et salut. Gros supporter de l'événement, si je puis dire. En plus des lots, 3000€ pour l'association, c'est juste incroyable.